Rebonsoir à toutes et à tous, et merci Monsieur le Lama, Mister le Lama d'être resté. Je te remercie pour tes retours rapides là au niveau son, image, etc. Alors dis-moi si c'est tout de suite un peu mieux au niveau. Déjà j'ai des améliorations là. Au niveau image, est-ce que c'est un peu plus grand la capture? Beaucoup mieux comme ça, super, merci. Ben, je te remercie énormément pour tes conseils et puis aussi pour ton coup de main technique pour me dire qu'on m'entendait plus. Pas du tout, pardon, c'est pas qu'on n'entendait plus. Donc du coup, bah, c'est pas grave, hein, c'est là que ce sera que la troisième fois que je recommence. Les problèmes techniques et puis premier live et tout. Alors du coup, bienvenue sur ce live d'ouverture de Gaming's Room. On va parler ce soir, enfin je vais parler ce soir de mon projet. Qu'est-ce que Gaming's Room? Enfin c'est un projet qui date. Hein. Pourquoi je débarque sur Twitch et puis qu'est-ce que je vais proposer sur Twitch évidemment par rapport à ce projet. Alors Gaming's Room c'est un projet qui a 4 ans, qui va bientôt sur ses 5 ans. C'est d'abord une chaîne YouTube et la page Facebook qui va avec, de gaming, avec principalement du let's play. De let's play divers variés, hein, la saga Assassin's Creed, avec un let's play anthologie qui a commencé il y a quelques temps. Plein de jeux, des jeux PC, des jeux PS4 principalement. Et j'ai décidé, notamment, je vais être honnête avec vous parce que la chaîne rame un peu, de venir sur Twitch, histoire d'avoir de varier un peu les médias et puis pourquoi pas rencontrer plus de gens du côté de Twitch. Et du coup, je vais vous dire un peu ce que j'attends de. Ce que je vais vous proposer, pardon, sur Twitch. Alors évidemment au niveau du cadre en lui-même, des règles, bon, c'est pas compliqué, hein. Respectez-vous entre vous, respectez-moi, moi je vous respecte, etc. Enfin c'est des trucs basiques, bateaux que vous allez retrouver sur toutes les chaînes, etc. L'entraide comme ce que tu viens de faire Lama, c'est excellent, c'est super, je te remercie une xième fois de l'avoir fait. Et du coup, voilà ce que j'attends de vous quand vous serez sur le Twitch, justement, c'est ce genre de travail entre vous, avec moi, etc. C'est de l'entraide, c'est de l'échange, etc. Et pas de la baston et de l'entretuage. Même si ça se dit pas entretuage. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je suis sur Minecraft parce que c'est un jeu qui va être présent sur le Twitch, évidemment. Mais plus dans sa version PS4, bien que la version PC pourra venir, on y reviendra juste après là. Du coup, après avoir blablaté vite fait sur les règles bateau, je m'étends pas plus dessus parce que c'est des trucs qui sont obvious. J'ai mis un système de dons. Alors, je sais pas s'il marche ou quoi que ce soit, hein, mais normalement techniquement il doit être actif. Évidemment, c'est pas obligatoire. C'est si vous avez envie, si ce que vous voyez vous plaît, que vous avez envie d'en voir plus, de voir d'autres choses qui pourraient servir, dont l'argent pourrait servir à acheter, parce que évidemment, je tiens à être totalement transparent avec vous régulièrement, que ce soit pendant les lives ou sur la page Facebook directement. L'argent qui sera que vous pourriez me donner, offrir en don, servira uniquement à la chaîne, hein, pas à m'acheter des vacances aux Caraïbes ou aux Caïmans. Tu vas faire plus de live Minecraft PS4 que PC. Dans un premier temps, oui, mais j'y viens là justement, je vais expliquer. Alors en fait, notamment les dons dont je parlais à l'instant vont entre autres servir à améliorer le matériel, acheter d'autres jeux, ou par exemple financer un Realm par exemple sur le Minecraft PC. Parce que sur PS4, évidemment, c'est plus simple pour le moment pour moi, parce que ça ne me coûte rien, de jouer en multi sur un serveur sur Minecraft. Après, si vous avez des serveurs, vous avez déjà des serveurs sur PC, et vous avez envie de m'inviter dessus, je vous m'autorisez à live dessus, je viens. Hein. Moi, je crache pas dans la soupe. Hein. Tant que ça permet à moi de m'amuser, à vous de vous amuser, de vous faire de la pub sur votre serveur, etc. Ah bah voilà, parfait, t'as un serveur. Voilà, bah écoute, si ça t'intéresse,
Je t'invite à rentrer en contact via le réseau et tout, ou même là à mettre le nom du serveur, etc. Comme ça pourrait être l'occasion de live sur Minecraft PC, sur un serveur, avec toi, avec d'autres, etc. Écoute, je prends un bout de papier, je note ton pseudo, comme ça je ne te perds pas. Donc voilà, alors je reviens vite fait sur les dons qui vont entre autres servir, voilà, à financer les jeux, à refinancer d'autres jeux, du matériel, etc. Uniquement pour Gaming Room, pas pour autre chose. Je me dis, je vois pas d'intérêt à aller m'acheter, me payer des vacances, je ne sais où. L'intérêt, c'est le jeu vidéo ici. Donc voilà, bah écoute, là-bas, je te remercie encore du coup pour ce nouvel apport. Il n'y a pas de problème, je serais ravi de venir sur ton serveur et puis faire les lives, bah, du coup, avec toi, entre autres. Et puis il y a d'autres gens, plus on est fou, plus on rit, et plus on rit. C'est-à-dire plus il y a de rire, bon, avec mes conneries. Du coup, où est-ce que j'en suis? Après les dons, oui voilà, alors, au niveau du rythme, je vais parler du rythme aussi, c'est important des lives. Alors au niveau des lives, pour cette semaine, il va y avoir un live un jour sur deux. C'est-à-dire que bon, là je live ce soir, donc le prochain live c'est mercredi, et vendredi et puis ce week-end, un autre ce week-end. Et à partir de la semaine prochaine, vu que je reprends les cours, ma classe à l'école, etc. Je vais avoir moins de temps, donc ce sera un live par week-end. Au niveau du contenu en lui-même, ça va être aussi assez varié parce que plein de choses, j'ai envie de montrer plein de trucs. On essaiera quand même de garder certaines choses régulières comme des fils rouges. Mais le contenu sera principalement sur PC et PS4 évidemment. Ce que je vais faire là, j'y pense, c'est que je mettrai également une liste de la ludothèque. Enfin, techniquement, la ludothèque, elle est disponible sur ma page Facebook, mais est-ce qu'elle est à jour? Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a pas mal de changements ces derniers temps. Faudrait que je voie. Mais il y aura une liste comme ça, vous pourriez vous dire, tiens, bah, il joue à ça, on va peut-être pouvoir. Je vais le signaler sur la page Facebook en disant ouais bah toi, nous on a ce jeu-là et tout, ce serait bien de faire un live là-dessus ensemble, etc. Moi je suis hyper ouvert en plus, hein, donc si ça vous intéresse et que j'ai le jeu, qu'on a le jeu tous les 2, 3, 4, etc. Bah on fonce. Hein, comme là pour le serveur. Du coup voilà, alors au niveau des autres vidéos. Il y aura plein de choses, hein. Je peux vous citer quelques jeux, hein. Je vais sans doute faire certaines séries de let's play que je fais déjà sur la chaîne. Je pense qu'il y a peut-être des épisodes qui passeront en live, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il y a certains jeux qu'on ne voit plus trop en live ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les lives tournent, enfin depuis un bon moment, ça tourne sur les mêmes jeux, hein. League of Legends, PUBG, des jeux comme ça, forcément c'est les jeux du moment, donc moi je viendrai pas forcément avec ces jeux-là, hein, parce que déjà League of Legends, non merci, et parce que PUBG je l'ai, mais mon PC est pas du tout assez performant pour l'afficher convenablement pour un live, quoi. Je vais pas vous offrir de la soupe, hors de question. Déjà que de temps en temps, certains de mes lives sont pas extraordinaires niveau qualité, même si j'ai une bonne connexion et pas un PC dégueulasse. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Les Assassin's Creed par exemple, revenir sur les premiers, ça sera plutôt sympa. Bon, GTA V, je sais pas encore tester, voir. Bon, il est encore un peu récent, il tourne encore en live celui-là. Voilà. Il y a des trucs qu'on voit pas beaucoup, mais je pense que les jeux Blizzard on les voit pas mal aussi, tout ce qui est Overwatch et compagnie. Mais j'ai ça sur PS4, beaucoup de trucs. Pour les serveurs, il y a des hébergeurs gratuits, tu sais. Alors non, tu vois, je vais te dire honnêtement, Minecraft, je suis pas un gros 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 joueur. Je l'ai eu que très récemment sur PC et PS4. Donc voilà, faudrait que je fasse des recherches. Alors s'il y a des serveurs et des hébergeurs gratuits, bah
Ah, je me lancerai, je ferai peut-être un serveur gratuit Gaming Room, ça pourrait être pas mal. Si jamais t'as les renseignements, t'as toutes les pistes et tout, pour me faire gagner du temps, si ça te dérange pas, sinon je vais chercher de mon côté et tout, hein. Mais si t'as du temps et tout, je te propose de me les mettre quelque part, que ce soit en message sur Twitter, ou en message privé sur la page Facebook, ou même là, dans ces cas-là, je les noterai. Comme ça, moi, j'irai créer le serveur, et puis on fera ça tranquillement, et puis on va monter la petite communauté Gaming Room sur Minecraft, ça pourrait être sympa. Le nombre de joueurs est limité, ouais. C'est ça, d'accord, ok, je vois. 4-5 slots max. Bah écoute, j'ai envie de te dire, pour le moment, je pense que 4-5 c'est pas mal pour Gaming Room, en sachant que, comme je t'ai dit, c'est pas une grosse chaîne, hein, tu vois, je crois que sur le chat t'es tout seul, le deuxième c'est moi parce que j'observe les trucs, je surveille le Twitch, voir si ça marche bien, donc tu vois, il n'y a pas fou, donc 4-5 pour le moment ça pourrait être pas mal, du moins pour un début. Après, si voilà, comme je t'ai dit, on a le financement, j'ai le financement, etc., et que je peux passer sur un truc payant ou avoir plus de monde, plus de slots, bah je passerai sur ça. Mais toute information, tout truc pour démarrer est bon à prendre. Je suis open. Alors sinon, pour revenir sur le contenu, voilà, je disais, bon, la tonne de jeux, je sais qu'il y a l'anthologie Assassin's Creed qui pourrait passer sur les vidéos de Let's Play qui pourraient passer sur quelques lives. Ensuite, je sais que par exemple, il y a l'anthologie Batman Arkham que je veux commencer à lancer. Peut-être que ça passera aussi sur du live. Il y a plein de choses. Il y a les Rocket League sur PS4. Il y a les. Voilà, il y a une liste infinie de jeux, plein d'idées et tout. Donc voilà, la liste est assez exhaustive. Alors ensuite, je parlais d'un autre projet pour. Alors, j'ai eu un son là, et quelqu'un qui a level up sur WoW. Bah c'est toi qui nous suis, donc merci pour le follow. Et du coup, j'en profite pour noter ton IP de serveur. Hop. Voilà. Toujours être muni d'un papier, c'est bien, c'est pratique. Par contre, je te le demande, il y a de fortes chances, c'est quasiment sûr, c'est que tous les lives seront remis après, seront en rediff sur la chaîne YouTube. Ça te dérange pas que ton adresse IP de ton serveur traîne comme ça? Dans ces cas-là, je ne remettrai pas la rediff du coup, je trouverai un moyen pour. Faire quelque chose pour la cacher, à ce moment-là je vais être un gros bandeau sur le chat, un truc dans le genre. Parce que techniquement le chat apparaît sur la vidéo en même temps parce que j'ai mis des modules et tout. Donc tu me tiens au courant et du coup tu fais ce que tu veux. D'accord, ok. Non mais je préfère demander parce que voilà, tout le monde ne veut pas forcément avoir affiché les trucs et tout. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. C'est super sympa de ta part. Alors maintenant, je vais parler d'un autre projet pour les lives. Parce que je suis un grand, grand fan de World of Warcraft et de principalement son histoire. Le lore en général. Et j'ai pour projet de vous proposer régulièrement en live. Un live lore, en fait. C'est-à-dire que bon, je serai in-game. Je sais pas ce que je ferai in-game encore. J'irai peut-être sur des lieux auprès de certains des personnages qui seront le sujet du live. Ce sera des lives lore, c'est-à-dire que j'annonce tout de suite le nom de la chronique, ce sera Contes et légendes d'Azeroth. En fait, je ferai un point sur le lore et je vais partir des origines de l'univers Warcraft, de l'histoire en elle-même, hein, de la création dans le jeu, hein, pas la création Blizzard qui crée le jeu, hein, je parle de la création avec un grand C, avec les dieux de l'univers Warcraft et tout, jusqu'à là où on en est actuellement. Ce sera des petits épisodes comme ça, histoire. Alors,
Certains seront faits en live, d'autres seront faits sur la chaîne. Ça dépendra du temps que j'aurai, des moyens que j'aurai à mettre en place pour faire tout ça. Mais ça, c'est un projet auquel je tiens aussi, qui sera en place en partie sur Twitch et donc en partie sur la chaîne. Tu crois, ouais, plutôt sur la chaîne YouTube, plutôt qu'en live? J'avais pensé d'abord sur la chaîne YouTube, évidemment, mais ouais, en live, les gens pourraient poser des questions après, c'est ça que je me disais. Réagir en même temps ou apporter des informations supplémentaires. Mais donc voilà, c'est encore du coup, je vais le mettre en réflexion encore, en notant ton conseil. Mais voilà, donc ça c'est un projet du coup qui est là. Et troisième gros projet qui est pour l'instant au stade embryonnaire, parce que j'ai pas encore. Donc je vois quel temps je vais pouvoir allouer à ça. Et puis bon, j'ai déjà des contacts, je sais que je pourrais faire participer certaines personnes, mais un JDR sur Gaming. Sur le Twitch de Gaming Room, ça pourrait être pas mal en live avec les gens. Voilà, j'ai des amis qui sont accros au JDR qui pourront participer déjà, ça c'est sûr. Et pourquoi pas lancer ça? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, au niveau des jeux, c'est pareil. Parce que je parlais de la fameuse liste et tout. Dans les discussions, je suis ouvert à toute suggestion de jeu. Toute suggestion d'idées. Alors, ce sera plus simple parce que tu pourras avoir un papier, tu seras plus préparé. Enfin, là, le chat pourrait te déconcentrer, te perturber. C'est pas faux. J'ai tout compris hein, ce que tu as dit, mais c'est vrai. Je pourrais te déconcentrer par rapport au live. Par contre, pendant certains lives, je pourrais par exemple faire si je fais un live sur Roux, par exemple, dire alors vous avez vu telle vidéo, telle histoire, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points et tout, est-ce que vous avez des trucs à apporter et tout. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être plus. Disons que je pourrais être plus concentré, ouais. Ouais. Donc, je disais, pour tout ce qui est idée, tiens, faudrait pas que les cochons tombent là, ça va faire du bacon. Tout ce qui est idée, tout ce qui est, comme tu viens de faire là, suggestion, que ce soit de jeu, de vidéo, de forme, etc. Je suis ouvert à tout, dans le sens où... voilà, je me dis, chaque idée est bonne à prendre, qu'elle soit applicable ou non, c'est-à-dire qu'après on peut modeler les choses. Ouais, c'est une bonne idée ça. Merci Lama pour ton apport en tout cas, ça me donne matière à réfléchir pour étoffer mon projet. Merci beaucoup. Voilà, du coup, donc je disais, je suis ouvert vraiment à toute proposition comme ça, justement, constructif, pour pouvoir améliorer les choses, améliorer le contenu que je vous propose, améliorer ma façon de faire, etc. Et tout, et ce sera intéressant pour chacun. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, hein. C'était vraiment un tout petit live d'introduction au... L'introduction au... pour l'ouverture de la chaîne. Du coup, on est lundi, mercredi, je vais venir avec le premier live, un premier jeu. J'ai pas encore choisi ce que c'était. Vous serez tenu au courant, évidemment. Alors, je sais pas si sur Twitch, il y a un moyen de faire des annonces, etc. Sinon, il y a les réseaux sociaux. Je suis sur Twitch. Je suis sur Twitch, oui, évidemment, on est là. Pardon, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook. Sur Facebook, je suis joignable facilement avec la boîte de réception de Gaming Room. Hein. Je réponds très vite. YouTube, je crois pas qu'il y ait de truc. De toute façon, il y a mon adresse mail qui doit traîner quelque part sur le YouTube ou Facebook. Enfin bref, vous avez tout pour me contacter, pour donner vos idées, etc. Vous avez tout pour pouvoir vous tenir au courant de ce que je vais faire. Je passe également aussi en taguant sur Twitter un petit groupe qui s'appelle que je ne dise pas de bêtises Petit Stream,
est un petit groupe de soutien à ceux qui commencent les streams. Je les remercie d'ailleurs d'avoir tweeté mon premier et d'avoir retweeté le fait que j'avais des soucis techniques. Je devrais faire un Discord. Alors j'ai déjà un Discord, merci, c'est ça que j'ai oublié. Oui, il y a déjà un Discord de Gaming's Room. Je vais d'ici demain ou après, ou justement pendant le prochain live, il devrait être en place. Hein. Le truc est déjà créé. C'est juste qu'il faut que je fasse les compartiments qu'il faut, les salons qu'il faut et tout. Mais ça, il est déjà fait, il est déjà préfait et tout. Il n'y a plus qu'à le peaufiner et le lancer. Mais merci de l'avoir. Mentionné. Hop. Le Discord sera prêt, comme ça permet de évidemment de quand on va jouer en groupe, soit tous les deux ou avec d'autres sur les serveurs Minecraft et tout, ce sera plus simple. Voilà voilà. Donc voilà, écoutez, je vais couper le live maintenant, parce que j'ai à peu près tout dit, à moins que tu aies d'autres questions, Lama, ou d'autres suggestions, je suis ouvert. Voilà, c'était vraiment un tout petit live pour l'introduction du projet et tout. Et puis voilà. Sur ce, du coup, je vous donne rendez-vous mercredi. Et ciao Lama, et encore merci pour tout, pour ce que tu as fait ce soir. Allez, ciao tout le monde!